Alors, aussi, je vais vous montrer quelque chose de cool et un peu mystérieux et aussi un peu violent. Une machine à écrire. C'est le bon temps de sortir cette machine-là. Depuis 2 semaines, l'ordinateur est pété. Alors là, la solution, on l'a trouvée. C'est une machine à écrire. Alors ça, c'est une vieille machine que notre oncle a coûté. Et puis, ben tantôt, il a fait ça. Voyons un peu cette merveilleuse machine à écrire. Première chose qu'on a à faire, c'est insérer la feuille dans la place où elle doit être. Et la mettre ben, sur la barre du 0. Et ensuite, ben, on roule la feuille de petite roue sur le côté. J'écris bonjour. Oh, ça a sonné. Quand ça sonne, ça veut dire qu'on est rendu au bout de l'allée. Mais là, moi, je l'ai mis quand même pas très loin. Donc là, on peut payer sur la petite touche ici. Et ça va marcher, on peut quand même écrire. Mais rendu au bout de la feuille, on peut plus écrire. Ça fait différent, là, c'est spécial, juste les petites touches qui sont hautes. Et puis de changer les couleurs de l'écriture. Évidemment, on peut faire ça dans Google Drive, mais c'est quand même cool qu'il soit déjà imprimé, même si on fait souvent les erreurs à cause de ça. Donc ici, on peut changer les couleurs. Le bleu, en réalité, c'est du noir, parce qu'on a mis un ruban noir et bleu. Ça, c'est noir et ça, c'est bleu. Mais là, je vais mettre à noir. Et maintenant, je change de couleur à bleu. Cette machine-là, c'est vraiment divertissant. Tout à moi, il y a un petit problème avec cette machine à écrire. On ne peut pas faire d'accent. Bon. Alors, comment on fait les points d'exclamation? Alors c'est plutôt compliqué en réalité, mais bon, ça prend juste un peu plus de temps qu'habituellement. Le 8, c'est comme l'apostrophe là. Dans le fond, ça fait une apostrophe. Et en fait, on retourne et on fait un point. Et voilà, ça se fait en deux temps. Je vous souhaite à tout le monde d'avoir une aussi merveilleuse machine dans votre grenier. C'est imbattable. Vraiment là, je pense que Google, il peut aller se rhabiller.